Alors, il nous a quittés cette année à cause du Covid. C'est un des plus grands chanteurs que la France voilà, ait connu dans les années 60, 70, et je dirais même dans les années d'après. C'est un chanteur que vous aimez énormément. Il se nommait Christophe. Il portait le même prénom que toi. Et quand on dit Christophe et qu'on dit Non, non, Christophe. non, non, non. Moi, je portais le même prénom que lui. Voilà. D'accord, ok. Merci de la correction. Quand on dit Christophe, bah, on pense à plein de chansons et particulièrement au mot bleu. Et tu vas nous présenter, pas Christophe ni les mots bleus, Oui. mais tu vas surtout nous présenter le groupe qui a été formé, me semble-t-il, à l'aérodrome de Roupies de Saint-Quentin. Et ce sont à la Oui. base des pilotes. Alors, ce sont des pilotes. Et j'ai trouvé le moyen de les mettre cette semaine. C'était prévu la semaine prochaine avec Xavier. Xavier, c'est lui qui a tout lancé. C'est un super guitariste. Et ce sont tous des pilotes. Voilà. Là, aujourd'hui, ils ne sont qu'à deux, guitare, voix. C'est un ensemble vraiment magnifique. Sinon, ils ont un groupe qui s'appelle Flying in the Lunge. Voilà. Ça a été créé à l'aérodrome de Roupies-Saint-Quentin, voilà, sous l'initiative de notre ami commun Pascal, Pascal Cordier, hein, que tu tout à connais, fait. voilà, Salut. et je trouve vraiment qu'ils ont vraiment du talent. Et pourquoi avoir passé Flying in the Lounge, hein, t'as vu l'anglais que j'ai, Ah, voilà, j'adore, j'adore. cette semaine, tout simplement, vu qu'on était dans une semaine hommage à notre ami Vladimir. Parce qu'il est le beau-père de notre ami Fred, le papa de Valérie, mais aussi c'était, et je suis sûr que c'est encore, parce qu'il est déjà en train de monter une affaire là-haut, le bal à papa, c'était vraiment un établissement où on dansait, voilà, où la musique avait toute sa place et les artistes avaient libre expression, voilà, grâce à Vladimir. C'est pour ça qu'on a voulu faire aussi une semaine hommage. Et le rapport entre ce groupe et Vladimir, c'est que Vladimir était pilote d'avion aussi à l'aérodrome de Roupies-Saint-Quentin. Eh, Donc, écoutez. écoutez, c'est Xavier Et à mon avis, Deroutigny. Vladimir là-haut, oui, je suis sûr qu'il est déjà dans des concerts, tu vois, parce que je pense pas qu'il y ait le Covid là-haut. Voilà. Non, Il est déjà dans les non, concerts en train de non. faire, oh, allez, moi j'écoute, toi je te prends, allez hop, sur Ah, on scène. monte une scène. Xavier de Cotigny et son groupe vous accueillent pour Christophe, les mots bleus, c'est leur version. On les découvre. Il voudrait que je lui parle.
bravo. Et deux fois bravo. Alors ? Une première fois bravo parce que c'était trois fois bravo. Une première fois bravo parce qu'elle a une voix exceptionnelle. Une deuxième fois bravo parce que l'accompagnement est juste simple et magnifique. À la guitare, le second là, fort, c'est... Et une troisième fois bravo, mais le troisième bravo, c'est pour toi, mon pote. Parce que tu vas nous dénicher le jeudi dans cette émission. Et maintenant, on l'a ancré, là, ça y est, avec Fred, vous avez amené cet élan de dire le jeudi, on ouvre encore plus les portes, encore plus que d'habitude, on ouvre encore plus notre cœur, notre antenne à la radio, notre antenne à la télé, notre page sur Internet et le reste, bah, pour participer, pour partager et pour donner la possibilité à ceux qui sont un peu dans l'ombre. C'est ce que quelqu'un vient de nous dire. C'est des talents incroyables. C'est des talents de la région. C'est des talents de la région. L'aérodrome de Roupie, Saint-Quentin. Et Xavier est un commerçant de Saint-Quentin. Il est assureur, les assurances de Cotigny à Saint-Quentin. Voilà. Ouais, il pourrait venir annoncer chez nous. Moi, les assurances, je les aime bien. Par contre, ceci étant, c'est pas l'un pour l'autre. Juste dire, c'est super. Et c'est un vrai, vrai, vrai plaisir que de découvrir des talents comme ça. Et bah, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous aurez la globalité du groupe. Vous allez voir. Ça va, top. Ouf. Super. Bravo, bravo, bravo à eux.